Salut tout le monde, c'est DBStory. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle pour invoquer sur le portail Vegeto LR. Donc je vais vous montrer le détecteur sans plus tarder. Donc nous avons Vegeto LR que on espère vraiment dropper. Les cartes pourries, vas-y je vais les passer. Vegeto Endurance, Vegeto Agilité, Vegeto Blue. Kibou, Intelligence, Buan et le Bou SR qui peut monter l'aspect du Kibou. Donc voilà, très intéressant ce portail, comme vous pouvez le voir, il est vraiment incroyable. Donc on espère dropper Vegeto, Agilité, donc là on commence avec un Shenron, Vegeto Endurance, Vegeto LR et le Vegeto Blue. Si possible. Donc là on a un bye guy, merci les Dragon Ball. Krillin. Alors Barta. Oh, oui. Oui, je le voulais tellement. Je le voulais tellement les pélos. Je le voulais trop. Ça faisait longtemps que je le voulais ce perso. Bon lui je le voulais pas forcément, c'est pour la collection. Mais ça faisait longtemps que je le voulais ce SSR. Il me fuyait. Le Vegeta et Bulma. Un troisième SSR dans la multi. Oh là là, la multi elle commence fort. Elle commence fort avec 3 SSR plus 3 tickets. Donc comme vous pouvez le voir, le Vegeta et Bulma, je voulais tellement, tellement, tellement. J'ai pu le remarquer à vu mon cri. Je le voulais vraiment. Et je suis vraiment content de l'avoir car j'ai vraiment envie de le tester. Donc là, un double Shenron. Donc pour l'instant, les Shenron, comme vous avez pu le voir, ça m'a porté, on va dire, bonne chance. Ça m'a porté chance, donc voilà. Donc, on espère drop un SSR que je veux, donc voilà. Oh, oh Starf, la multi. Starf, la multi. Why? La multi, les gars. Les gars, la multi. Oh non, 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 c'est un troll. Dis-moi que le jeu est bugué. Dis-moi que le jeu est bugué. Oh SV, Buan, SV d'affilée. Oh et on finit avec une pan. Oh là là, les gars. Les gars, la multi. Avec en plus 3 tickets. Oh 2 tickets, je veux dire. Oh là là. Oh non, là, je suis choqué. Oh les gars, je suis choqué. 4 SSR, dont 3 du détecteur d'affilée. Non, le jeu il est bugué. Eh les gars, faut invoquer à 13h31, hein, je vous dis les gars. Faut invoquer aux alentours de 13h, hein, parce que là, comme vous avez pu le voir, tard, j'ai pu drop 2 SV d'affilée dans la même multi, alors que je le voulais en plus. Je le voulais, bah, ça fait un doublon, donc je pourrais tester la catégorie Saga Debout. Vegeto Blue, oh Vegeto Blue les gars. Oh Starf. Le Badak Timebreaker. Oh il est à 90% maintenant. Oh c'est bon les gars, j'en peux plus. Oh le Vegeta Inté. Oh les gars. Les gars, pour 180 DS, mon gars, on a 3 tickets encore. Oh je suis choqué les gars. Parce que moi je voulais le SV, je l'ai eu 2 fois. Je voulais le SVB, j'ai eu le SVB. Donc là, la multi gratuite, en espérant choper le Super Vegeto LR maintenant. On n'attend plus que lui dans ma box. Donc, le relâcher normal, donc pas de Shenron. Non mais vous avez vu les multi, les gars. Les multi quoi. J'ai eu trop de chance. Si seulement je pouvais avoir les LR en plus. Mais ce serait dingue. Là, ce serait, j'aurais pris tout le portail avec moi, hein, les gars. Donc là, je pourrais tester le Super Battle Road, Super Endurance, avec le SV. Oh, le Badak, je l'avais pas, en plus, je le voulais. Oh, youpi. Oh, la multi. Les multi. J'ai droppé combien de SSR? Oh, on starf la multi, bon, c'est pas grave. Oh, le Goku puissant. Est-ce que j'y crois? Oh, je le voulais lui aussi. Comme doublon.
Oh là là. Oh. Les gars, je suis choqué. Donc là, je vais pouvoir vous faire le test du Super Vegeto, enfin du Super Battle Road. Donc Super Endurance avec le Vegeto LR, Vegeto Endurance, je veux dire, et le Vegeto Blue LR, enfin Vegeto Blue Endurance, qui a déjà un doublon maintenant. Plus le SV avec doublon, je vais réussir le Battle Road. Donc voilà, c'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf. En plus, je vais pouvoir vous faire le test de la Team Saga debout. La Team Potara, si jamais j'arrive à dropper le SV. Enfin, SVLR. Voilà. Donc là, sur les tickets, je pense que vu la chance qu'on a eue, on va pas avoir d'SSR. Enfin, peut-être un. Mais ça s'arrêtera là, les amis. Donc ouais, un petit Gohan. Gohan pourri. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, ok, donc une capsule relâchée normale. Ok, bon, je suppose qu'on n'aura pas de bye guys, hein, faut pas rêver. C'est pas tous les jours, dimanche, samedi, lundi, vendredi. Ok, donc Droom, je crois. Un truc comme ça, hein, il s'appelle comme ça, un prénom chelou dans tous les cas. Alors, il ne reste plus que 5 tickets. En espérant avoir un SSR au moins. Et le bon. Franchement, sur les deux vidéos, donc celle-ci que je suis en train de vous faire, plus l'ancienne que j'ai fait avant, que vous allez recevoir normalement les deux en même temps, c'est vraiment ouf. J'ai vraiment eu les SSR que je voulais. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu le Gogeta 4. Je suppose que vous, je vais mettre, je suppose que vous avez vu déjà la vidéo Gogeta avant de regarder la vidéo Vegito. Donc malheureusement je n'ai pas eu Gogeta SSJ4, mais j'espère réellement, car on va avoir aux alentours de 200 DS avec le top rentable, les 60 DS offertes grâce aux deux campagnes, l'Extreme Z Battle du Gohan Free to Play. Plus, ça se trouve, il y aura encore plein de DS à gagner avec le bonus de Ko et tout ça. Donc un total de 200 DS minimum. Plus, je pense que après les 3 ans, il y aura la célébration des 250 millions. Donc voilà, hein, c'est vraiment ouf. J'en reviens pas. Excusez-moi. Donc voilà, hein, le très très belle multi-invocation. Enfin, vraiment un vrai portail de malade. On espère aussi avoir à l'avenir le Vegeto, car je ne pense pas qu'en 3 tickets, je vais choper le Super Vegeto LR. Mais on sait jamais, hein, mais voilà. Hein. Si en tout cas on l'a pas, on espère l'avoir sans attendre le portail qui est sorti sur la Jap avec le Goku SSJ4 Tech. Donc on espère vraiment l'avoir maintenant. Imaginez-vous, comme le SV qui est tombé 2 fois, je drop 2 Vegeto LR dans la même multi. Ce serait vraiment incroyable. Donc voilà, je suis vraiment content de mes drops. Donc voilà, en espérant que... C'est la luck, hein. Depuis Noël, depuis Goku Ultra Instinct, j'ai jamais eu un autre bon perso que je voulais. Je n'ai pas eu Goku Ultra Instinct à Noël, j'ai pas eu Goku Ultra Instinct avec Jiren. J'ai eu que des persos claqués, j'ai juste eu un Gotenks SSJ3 End que ma soeur m'a chopé en une single sur le portail Vegeto Blue Tech avec deux capsules. Voilà, hein, j'y croyais vraiment pas, il est tombé du camion. Et voilà, hein, donc voilà, c'est... Voilà, j'en reviens pas, hein, désolé, hein, j'en reviens vraiment pas. Désolé à ceux qui n'ont rien eu. Je suis vraiment désolé pour vous les bros. En espérant que vous ayez du lourd dans les prochains portails. Ou en farmant d'autres DS si vous réinvoquez, que vous ayez du lourd. Donc là, comme vous pouvez le voir. Donc on va enlever ça. Donc voilà tous les SSR que j'ai eu. Donc voilà. Beaucoup d'SSR dont Gogeta In, Vegeto Blue, Buan, Vegeta, SSJ2 et Bulma, SV 2 fois, Badak Time Breaker, Tapion, Badak Tech,
Donc voilà les persos que je voulais déjà. Donc c'est sur cette sur cette image que la vidéo se conclut. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Merci encore de l'avoir regardé, c'était DBSTO. Yeah, we're going